Oui, il y a un télescope qui vient de détecter un astéroïde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, un astéroïde, c'est, comment dire, c'est comme une hémorroïde, mais c'est volant, quoi. Et cet astéroïde, il se déplace à 14 km par seconde, et il est à 57 millions de kilomètres de la Terre. Pas bien loin, hein, c'est 57 millions de kilomètres, quoi. Et il paraît qu'il y aurait 1% de risque qu'il se fracasse sur Terre en 2027. Ça fait flipper, hein. Bon, chérie, bon, c'est pas la peine que je tourne la pelouse, hein. Attends, si l'autre il se fracasse, ça sert à rien, hein. Tiens, je veux même pas laver la bagnole. C'est... Hein? Bon, non, fais pas tourner le lave-vaisselle, laisse tomber, ça sert à rien. C'est mort. Hein? Le casque? Ah bah ouais, mais oh, c'est jamais, hein. 2027, c'est vite là, hein. Oh, je suis en train de lire un article scientifique passionnant là qui pose la question: comment empêcher un astéroïde de percuter la Terre? Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Bon, bah tu peux pas l'arrêter parce que c'est trop. Mais bon, le jour où tu sais qu'il va fracasser la Terre, eh ben t'en profites pour poser tes congés et tu te casses en vacances. Tranquille. Bon, c'est vrai que quand tu reviens, c'est un peu le bordel, hein. Il faut ranger le garage, refaire le jardin, tout ça. Merci. C'est pas bien compliqué, il suffit de réfléchir. Ah tiens. Non mais ça va pas!